Eh bien, what's up les amis, c'est Kyo, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Until Dawn. Et c'est tout, hein. Voilà, donc comme d'habitude les amis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme d'habitude les amis, mettez un casque à fond dans vos oreilles, mettez-vous dans le noir, fermez vos volets, prenez des petits chips, le petit iced tea hein, des familles. Et mettez-vous dans le noir et tout sans pression les amis. Donc attendez, je réponds juste à un message. Oui, je fais ça dans les vidéos. Il y a quoi maintenant? Voilà. Ok, donc très bien. Donc nous pouvons reprendre. Donc je ne sais plus du tout où j'étais. Ok, donc j'étais là. Donc le truc, ça te relaisse direct dans le game. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Donc là, nous jouons Josh, si je me souviens. Non, pas du tout. C'est pas Josh. Je sais pas. Donc j'ai le fond, j'ai le son pardon à fond dans les oreilles. Ok. Donc j'ai le son à fond dans les oreilles, les amis. Je flippe. Je vous ai mis les sous-titres, bien sûr. Ah, la petite lueur là, au calme. J'ai peur. Les amis, donc je vais vous expliquer comment ça marche. Parce que moi je suis comme ça, moi. Je suis comme ça. Je flippe ma race parce que j'ai le son à fond dans les oreilles. Donc là il y a écrit cabine. Cabin. Et j'ai peur de me prendre un screamer. Surtout qu'en fait, mon frère donc a joué à la play avec ma manette. Hein, donc c'est-à-dire le mec de base il joue à la play avec ma manette alors qu'il a la sienne. Mais en plus. Quand Josh a dit cabane, elle est. J'ai pensé Robinson Crusoe. Ah, ça. Ah, c'est drôle ça. Ah, c'est drôle ça. Tu as envie d'exploiter mon côté sauvage? Mais oui, monsieur. Ok, ok, gardez-en pour plus tard, mon gros. Oh non, mais là, c'est pas mon play, mon frère. Je vais regarder les arbres, regarder les nuages, regarder la cape. Waouh. Oh putain. J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Oh putain, non! Non! Et lui va vérifier, c'est ça? Non, pas du tout, vas-y. Non. Il y a un truc à lire là. Bon, on va lire. Tu peux te lever, s'il te plaît? Le respect, s'il te plaît? Merci. Donc, on va lire ça, c'est beaucoup mieux que. Que ces trucs de merde. Alors, il y a des wolves et des grizzlies. Et des rookies. Rocky, Rocky Balboa. Balboa. Et donc je vous disais, du coup, ta gueule. Ouais, non, s'il te plaît, ta gueule, merci, merci. Et donc je disais, et du coup mon frère, il joue avec ma manette, et elle est déchargée, du coup, j'ai dû brancher le, vous savez, le câble là pour charger, et je suis, genre, le truc, je suis à même pas 2 mètres, enfin 2 cm de mon, 10 cm de mon. De mon écran, donc j'ai hyper peur. Choqué, un truc qui va se sauter à la gueule, les amis. Ah, sa mère. C'est-à-dire, le mec, aucune réaction sans pression. Moi, j'allais faire la crise cardiaque. Frôler la crise cardiaque, lui, sans pression, comme ça. Oh, les bâtards. Et là, y'a rien, ok. Oh, papa. T'as bu trop de lait de poule ou quoi? Y'a que nous par ici. Ouais, t'as raison. C'est-à-dire. Attends, alors. Attends. Les amis, il faudrait m'expliquer là. Je veux dire, la fille, elle a vu le bonhomme là. Le mec pas net là. Mec chelou. Elle a vu le mec chelou. Le gars, il a regardé lui aussi, il a vu. Mais tu sais, sans pression. Je comprends pas ce jeu, les amis. J'ai peur, les amis. Les amis. Non, mais les amis, si tous les personnages sont comme ça, c'est fini là. C'est la mort, hein. C'est-à-dire sauter le personnage. Le mec, il a bien vu le gars. L'assassin lui faire le screamer. Oh non, on s'en bat les couilles sans pression. Et par contre, et tout ça pour aller baiser quoi. Tu peux pas le faire dans le chalet au calme. Donc voilà. Alors les amis, pendant ce. D'abord, je voulais m'excuser. Pas avoir fait de vidéo pendant dans la semaine, c'est juste que. Nique ta mère, putain d'oiseau de mes couilles. On va quand même réagir de façon drôle. Je joue le jeu, c'est la saison. Waouh, coquin. Ouais, je suis comme ça. Enculé d'oiseau.
Va niquer ta race, oiseau de mes couilles. Putain. Je savais qu'il y avait un truc qui allait me sauter dessus, c'était obligé. Tu sais, j'ai quand même une mise à jour des statuts, c'est-à-dire... le mec s'est pris un screamer, tout kill des mises à jour. Et là, c'est ça, il y a un poisson qui va sauter, vous allez faire un screamer sous ça, c'est ça? Non, très sérieusement, avant que l'oiseau ne me fasse chier ma race, j'étais en train de vous dire, excuse-moi, j'ai pas pu vous faire de vidéo pendant la semaine. Parce qu'avec les cours et tout ça, vous voyez, c'était hyper chaud. Bon sang, Josh. Donc je suis désolé. On a pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Ouais. Vraiment? Quoi? Vraiment? Pas que t'étais genre vert à moitié vide. T'as une meilleure idée? Recule, sale pessimiste. Voilà l'idée de ouf. Qui n'avait pas pensé quoi de à juste escalader? Je crois que t'as quelque chose sur la figure. Aucun respect la fille, aucun respect la fille. Si c'est ça que tu veux. Oh putain, elle a disparu. Genre, allez, c'est bon, putain. Yes. Oh putain. Bien sûr, on remet le personnage tout seul. Ah, c'est Sam. Hey Sammy. Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît? En fait. Utilise ton lance-flamme, mon pote. Justement dans mon bain. Oh. Bah, surtout, hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle. Sam, chalet des Washington. 22h44. C'est pas vrai. Putain, d'oiseau. Oh, je suis encore choqué par l'oiseau, quoi. D'accord, c'est bon, ça m'a calmé là. Ça m'a. La pression, les amis. Ah, ça va, pendant une seconde, j'ai cru elle avançait toute seule et tout, genre aucun respect pour moi. Putain. J'ai des frissons, les amis. Oh, les frissons, les amis. Oh là là. Eh, mettez, franchement, mettez le son à fond dans vos casques et tout. Pour plus de d'immersion et tout ça, ma bite. Oh putain de merde. Là je sens que je vais dans un endroit que personne ne connaissait. C'était un endroit du chalet mais perdu. Oh, putain, j'ai peur. Les affaires d'Anna. Oh putain, c'est glauque. C'est Anna Washington. Et c'est ça, et là regardez, je vais ouvrir le truc et va y avoir un screamer. Avec la poupée, là, regardez. Hein. Non, joyeux Noël 2010 serait tendrement Josh. Josh. Donc ça, c'est hyper émouvant et tout. Party. Chère Anna, je serais ravi que tu puisses venir à ma super fête. À 19h30. À 19h, par exemple. Wow, pourquoi 30? À 19h, le 13/07/2013. À la Casa de Mike. La casa, la maison, le mec il a bien mis la traduction au cas où. Donc la casa. RSAVP. Donc il y a un truc qui brille là au fond. Hop là. Wow, ça ressemble vraiment à Mike. MM4MHM. Ok, donc. Putain. Ah, par contre, on va pas tout lire, les amis. Il y a les petits indices déverrouillés et tout. Mais moi, je m'en fous. Voilà, donc. Durant ce week-end, les amis, je mettrai 3 épisodes d'Until Dawn, 3 ou 4. À la suite. Enfin, pas à la suite quand même. Faut pas déconner. Parce qu'en fait, moi, j'y joue le soir. Ah, on peut diriger sa tête avec le joystick droit. C'est cool, on va pouvoir la laisser comme ça et lui mettre des torticolis. Non, pas du tout. Anna, Josh et Bess, vous êtes invités à la fête d'Halloween de Sam le 31 octobre 2013. Déguisement obligatoire. Oh putain. C'est la photo là de ma bite là. Non, pas du tout. C'est la photo là du psy chez le psy là. C'est à dire que. Donc là, c'est de nouveaux indices. Hop, on va, hop, voilà. Par contre, s'il vous plaît, les amis, le truc genre on appuie sur un daddy, ça fait un bruit de tarpin chelou et tout. Non, mais le truc c'est que
C'est le même du psy. C'est-à-dire que le tueur, ça doit sûrement être un d'entre nous, non? Après, ça c'est mon hypothèse. Après, je veux dire, voilà. Et cela va confirmer mon hypothèse. Donc là, on peut pas y aller, d'accord? Oh putain. Oh la vieille horloge toute pourrave là. Bon, il se passe un truc là ou bien? Parce que je veux dire, c'est pas comme si je pouvais aller nulle part. Ah, donc d'accord, ça brille. Donc le mec, je suis tellement nul, tu sais, il a fait vas-y, il a fait briller la poignée et tout pour que. Non mais s'il te plaît, Sam. Ah donc ils sont là, ça va. Ils croient en moi, ça va. Allez. Allez, allez, tu peux le faire. Quoi? Ok, parce que je suis à peu près sûr que dans cette bigoque de folie, on avait un plateau de spiritisme. Allez tous vous niquer, allez tous niquer vos mères maintenant. Allez tous vous faire foutre avec vos trucs de spiritisme de mes couilles. Putain, ça c'est le truc pour invoquer les esprits à la con. Putain. Vas-y, ça casse les couilles là, ils commencent à faire chier les mecs. Ouais, je vais allumer la chaudière, elle est au sous-sol. Bah vas-y. Bon alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris, ouais, allons-y. Oh putain. Chasse au trésor. Oh putain. Et sérieux les amis, vous faites quoi là? Si tu veux. Bien, tu ne regretteras pas. Alors, ça te dit une balade? Non. Non, ça me dit pas du tout avec vos trucs de spiritisme là. Mais en fait, n'avez-vous pas remarqué que Josh, enfin, ils sont tous partis en groupe de deux. Donc voilà, donc il y a exactement 4 groupes de 2, parce que à la base ils sont 8, et si tu fais 4 divisé par 2, enfin 8 divisé par 2 ça fait 4 et tout, voilà. Donc je fus prof de maths lors de ma vie. Comment j'ai envoyé Chris et H en mission tous les deux. Je crois qu'un peu de temps seul leur fera du bien. Non mais mon pote t'a envoyé tout le monde au truc quoi. Chris doit se lancer, voilà. Le petit Chris doit se lancer. J'espère que Chris va se lancer. Il perd tous ses moyens en pensant qu'elle va le bouffer. Non, ça n'arrivera pas. De quoi? Ni l'un ni l'autre se lancera. Ouais, connaissant Chris, il fera rien à moins d'avoir un pistolet sur la tempe. Par contre, s'il te plaît, parle pas sans moi, s'il te plaît. Enfin, parce qu'à un moment, voilà. Tu sais, Sam. Oui, Josh. Je voulais seulement te dire que. Quoi? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année et puis que toi tu sois là, Sam. Ouais, pour nous assassiner un fils de pute, non pas du tout. Mal à l'aise, oh, ça fait bizarre d'être de retour. On va la jouer prudente, c'est mal à l'aise et okay, tout. Je vais être honnête, Et tout. vraiment bizarre d'être venu ici, mais je pense que ça va tous nous aider à tourner la page. Ou à vous faire buter. Comme des bâtards. Voilà, allez. Pitié, mec, parle pas sans moi. Bon moment, tu vois. Par contre, t'as chaud dire, mon pote, elle est où? Parce que je veux dire. Hey, regarde, attends, c'est-à-dire que là, on. Les amis, là, on était dans le sous-sol. Et là, c'est le sous-sol du sous-sol. Là, c'est le. C'est 15 000 étages en bas, tu vois. Genre, le truc, ils ont mis un bunker là, tu vois. On est dans un bunker là. Voilà. Un petit tour des familles. Comme ça, si on se fait poursuivre en glisse, on se marave. Désolé de te ramener à la dure réalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Ouais, c'est. C'est vrai que ça craint par ici. Ouais. Juste un peu. C'est pas un endroit où il faut rester tout seul. Vas-y, s'il vous plaît. Ouh, le truc comme il brille, mon pote. Ouh, s'il te plaît. Alors déjà copain, tu vas pas éviter de m'éclairer comme ça. Baseball dans la neige. Non, on va être sérieuse parce que je crois qu'il trafique un truc avec les battes de baseball et tout. Parce que Josh. Ouais, avant je jouais au baseball tout le temps avec mon père. Oh putain, il y a la musique qui s'est lancée et tout. Avant qu'il soit trop occupé pour passer du temps avec moi. Ben, t'as qu'à me la mettre de côté, d'accord? Bon, allez, maintenant je vais voir ce que je peux faire avec cette.
Donc c'est parce qu'en fait, c'est-à-dire que Josh est un peu chelou parce qu'il a quand même divisé Tiens, tu peux retenir ça? tout le groupe en deux personnes. Il a genre juste un C'était peu des quoi? battes de Pourquoi baseball. tu Oh, fais nique ça? vos mères. Vas-y, Non, mais c'est Josh. que je puisse voir ce que je fais. Vas-y, oh, les bruits de pas, ça j'aime pas. Oh, Josh, vas-y. Et en plus, l'autre personnage qui fait. Oh, nique sa Est-ce que mère. tu peux tenir la lampe pour que je J'ai puisse voir? Tu peux bougé bien, s'il comme te un plaît? con. Excuse-moi. C'est là le mec qui touche un truc, ça fait tout péter et tout. Puis t'as bien le truc qui s'accélère et tout, vas-y. Joli. J'ai fait que tenir la lampe, mon pote, tout de même. Ok, pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. D'accord, Ça monsieur a le l'air plombier. compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Il faut que t'appuies sur le bouton. Bah allez. T'inquiète pas, c'est... Essaie encore. Ah pourquoi j'ai fait un truc de travers? Ah d'accord. Dégage. C'est bon quand C'est même pas la fille. suffisant. La fille Appuie sur le arrache sur bouton pour un. que la lumière arrive. Ok, je vais y Tu arriver, pouvais d'accord, pas me s'il le te dire plaît. avant? Non mais la fille, c'est la fille quand même, elle rage sur un. Un panneau quoi. Faut laisser augmenter la pression, j'avais pas compris. Il y avait quelqu'un, je te jure, il y avait quelqu'un passer. Ok, J'ai vu un truc passer. bien joué. Oh, le vent! J'ai pas fait exprès, gros, je t'explique, j'ai pas fait exprès. Parce que je savais pas qu'il y avait des QTE partout dans ce jeu. Pour faire un high five, t'as besoin d'un QTE, putain. Eh non, les amis, j'ai vu un truc passer. Je vous jure, j'ai vu un truc passer. Ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique. Arrête. Je fais mon job, c'est tout. Waouh, t'as vraiment Ouah. flippé. Et Sam, elle a trop le truc de le sens de l'humour. J'ai pas eu peur. Jouer un tour parce qu'on est comme ça, nous. Nous, on joue des tours et tout, nous, on est comme ça. Bouge pas. Quoi? Il y a un truc derrière toi. C'est ça. On va insister pour faire partir, enfin, pour faire le. Sérieux? Oh putain, la blague à la Quoi? plaque. Non, attends, où est-ce que tu l'as eu ton premier point? À Ça la. commence pas à 30? Mais non, à 15. Ah, À ouais, la. moi je suis plus branchée que toi. Mais Par contre, les comment amis, on fait comme vous ça? barrez ou bien? Parce que là. Josh. C'est-à-dire, il y a un mec en Quoi? combinaison qui marche et tout Le là, c'est bon. rythme est étrangement régulier. Non, c'est pas du tout régulier. Ils vont faire un débat sur ça, quoi. On devrait jeter un œil. Je vais aller jeter un œil. Non, non, on devrait aller jeter un œil. S'il te plaît, je suis une putain de grosse tapette. Peut-être qu'on devrait jeter un œil. T'es la fille qui fait ouais, on devrait. Je devrais aller jeter un œil Tu et tout. sais C'est pas, bon, t'es une fille, hésiter. c'est bon. Un tuyau sur le point d'exploser ou un problème de chaudière. Non, je crois pas. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. C'est bon, faut Ouais. pas abuser quand même. Je veux bien, y a un monstre. Enfin, un monstre. Un tueur. Ah non, nique ta mère, s'il te plaît, je viens avec moi, vas-y. Truc qui va me sauter à la gueule. Oh putain. Pas doué. C'est le cucus lent, les mecs. C'est seulement pour éloigner les intrus! C'est le gars dans Star Wars. Vous êtes fait avoir. Fils de chien! Ah, c'est un Oui, bâtard c'est ce pas Josh. exprès. Pourquoi tu t'as fait ça? Quoi? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez! J'étais obligé de profiter de la situation. Non mais. Non Tu mais les mecs, déconnes là! ils vont trop loin dans Et les toi, blagues, je tu te peux jure. prendre tout ça? Non, mais j'aurais aimé. Oh, c'était trop fort.
Ah, j'adore le mec, il a fait la tapette, il s'est mis sur le côté, il a laissé partir la fille, quoi. C'est pas tirer la fille, quoi. Ça, c'est putain. Je suis le maître de la blague. Non, non, j'ai rien dit sur tes blagues, j'ai juste dit que t'as présenté. C'est moi. Excuse-moi, mais c'est moi le master de la blague, mon frère. Il y a un moment, tu vas te calmer et tout. Josh. Ça, c'est Ashley, ça. Allez. Cucus client. Trouver ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. Oh, elle t'a niqué là. D'accord, d'accord. Et t'as trouvé le bidule? Voici notre billet vers le monde des esprits. Voici billet dans vos enculés de fils de chien de je sais pas quoi. Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok, alors amusez-vous bien. Allez, tchou, ça cherche le fourbe là, hein. Josh fait le fou. Fait le. Oh, gangsta. Quick sniper élimine. Non, je déconne. Cette blague va trop loin là. Le sniper va trop loin. Par contre, à chaque fois on change de salle ou quoi? Parce que au début, c'était. Il n'y avait pas les barricades. Des gens qui ont peur de l'isolement, de la solitude. J'en pense à rien. Vous aussi, ça vous effraie. Mec, il te met la pression et tout. La solitude. Non, pas vraiment. Après, ça dépend dans quel contexte. Que pensez-vous voilà, des gens qui ont peur de ces choses? Je les méprise, je les plains. Oh, le mec, il a une grosse araignée comme ça, quoi. Le mec, il a grossi rien sur son bureau au calme. Alors moi, ça fait pitié quand même à vous. Mike, c'est mon pote, ça. C'est un de mes potes. Effectivement, c'est ce qui ressort de vos choix. Ah, peut-être qu'il interroge toutes les victimes. Je sais pas, vas-y, c'est bon. Au revoir, copain. Analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Tu sais, mec, il va te foutre une patate et tout, mec. Mec, il est tarpin et il est énervé, tu vois. D'accord, monsieur. Putain, il vient de s'asseoir, il est vénère, mon pote. Il a. La qualité la plus importante à vos yeux. La loyauté. Il m'habite. La loyauté directe. Voilà, hop, moi, il y a quoi maintenant? Donc, vous seriez prêt à mentir par loyauté envers un ami, bien? Et si je vous dis loyauté ou charité? Charité plutôt. Quelle générosité et quelle humanité. Très touchant. Par contre, mon pote, tu vas me parler sur un autre ton, sinon je vais prendre ton stylo, je vais te le mettre dans le cul, mon frère. Mais une fois encore, la session touche à sa fin. Mais elle vient de commencer, vous m'avez posé trois questions, monsieur. Monsieur? D'accord. Oh putain, le petit rideau qui fait peur là sur le teco. Hop là, le petit start platinum, non pas du tout. Alors voilà les amis, c'était l'épisode 4 de Until Dawn. Donc je vais bien sûr vous sortir demain l'épisode 4, 5, 6 et peut-être 7. Et plein d'autres vidéos, donc j'ai prévu un petit montage sur League of Legends. Un petit best-of de ma partie, des parties et quoi encore. J'ai prévu plein de bons jeux, de petits free-to-play. Donc voilà les amis, moi je vous dis... Peace. Abonnez-vous les amis, presque les 200 abonnés, hein. On s'approche. Je vous remercie d'ailleurs. Moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, likez, commentez, puis je vous dis abonnez-vous.